pas dit, mais en fait, on est en Bretagne. Là, on va visiter le fort La Latte. Enfin, sauf si Vincent veut pas, parce que Vincent, il aime rien. J'aime pas les lattes. Il aime pas les lattes. Allez, c'est parti. Et encore une fois, on a Vincent hyper adapté. T'as vu, les photographies sont interdites à l'intérieur de l'enceinte. Interdit de filmer à but commercial. Oui, à but commercial, mais a priori, je n'arrive pas encore à monétiser mes vidéos. Donc ça devrait aller. C'est la pointe de la hype. Ils ont même un TikTok. Donc voilà, on est arrivé au château. Il y a une petite marche à faire en pente. Et ça a l'air super sympa. Attention, dans pas longtemps, il va nous parler des spots à Zender. Ah, c'est du bar ici, excusez-moi. La vue est déjà magnifique, ça donne envie de faire des photos. Oh, on peut monter tout là-haut, tu as vu? C'est splendide. Allez, c'est parti. C'est les oubliettes, alors on va s'oublier. Viens, on va s'oublier. Bah, les petits, tu crois que tu avais le droit de venir te plaindre quand tu étais envoyé aux oubliettes? Oh putain, il y a un gars aux oubliettes, les mecs. Ah, il a été oublié, hein. On va dire que la visite était super sympa et on la recommande. C'est pas très long, mais c'est sympa à faire. Qu'en penses-tu, Vincent? Ouais, c'est très bien. Très bien entretenu. Mm. Beau château, beau fort. Beau fort. Pas le fromage, hein. Mais... on est en Bretagne et pour une fois, il fait beau. C'est fou, hein. Il faut attendre l'automne pour qu'il fasse beau.
Breakfast, c'est des chambres d'hôtes en fait. On les trouve sur différents supports. Nous, on les a réservées via Booking. Et la demeure est magnifique et je ne sais pas dans quelle chambre on va être. Ça va être un petit peu la surprise du chef, ça va être sympa à voir. On arrive au manoir et pour le moment, il y a l'air d'avoir personne. Moi, il y a une baston de chat, donc je vous la filme. Ah, les chats bretons sont vénères. Non, il faut le savoir. Baston de chat. Oh, ils nous ont vus. Oui, il a peur. Bonjour. On était ici la dernière fois. Voici, on est au deuxième étage. Et la porte du milieu. Voilà. Oh. Oh, waouh. Superbe. Superbe. Ah, j'adore. J'imagine salle de bain. Ouais. Waouh, on va être bien trois nuits là. Oh, le calme, un bordel. Il y a une petite porte. Franchement. Pourquoi? Bah, il y a une petite porte, ça te donne pas envie de l'ouvrir. Pour savoir s'il n'y a pas des secrets. Bah, trop bien. Bah, on voit les chevaux d'ici, c'est trop bien. Et on voit notre petite titine qui est toute seule. Voilà, on est à la crêperie du Yodet. Vous savez, on y va tout le temps à chaque fois qu'on vient, de toute façon. Ils ont installé les décos de Noël, j'adore. Je suis morte de rire. On se demande s'il va y avoir du monde. Mais regarde à la lumière là-haut, il y a peut-être les chambres d'hôtes qui sont prises. Désolé, on n'a pas ouvert la cuisine. Et avec vous, et avec vous. Voilà, c'est une très très bonne crêperie. Si jamais un jour vous passez au Yodet, et ben, c'est une super crêperie. Je sais, c'est ce qu'il dit, vous disiez tous, mais c'est trop tôt. Ah, ça boit du whisky. Moi, je bois un petit cocktail à base de calva. Mmh. Ah, c'est trop bon, ça. Il fait une mouillette avec une frite. Du chat. Et toi, petit mignon? Il joue avec un insecte. Oh, mais tu vas pas manger la fourmi, c'est dégueulasse. Fait petite visite du manoir. Vincent est en train de travailler. Il n'a pas eu son vendredi. Il avait des réunions ce matin. Notre chambre est là. C'est sympa quand même. Ah, j'ai un compagnon. Tu veux me suivre dans ma promenade, toi? Ouais, mais viens pas te frotter, je suis allergique. Et on a la deuxième fenêtre de la chambre qui donne là. Tu te purges, le chat? Tu te purges? Hmm? Ou tu ronronnes? Donc j'ai l'impression que cette partie-là, c'est la partie qui est plutôt chambre d'hôte. Sachant qu'on avait eu cette chambre-là la dernière fois. Et cette partie-là, c'est peut-être la partie où eux, ils habitent. On va aller voir les chevaux. Oui. Il y a des cocottes. Salut les cocottes. Mais c'est un coq. Oh putain, il y a les chevaux qui arrivent au galop. Bah ouais, les mecs, mais on va se calmer. Et j'ai rien à bouffer, les mecs. Bah, c'est bien que vous soyez venus, hein. C'est très sociable de votre part. Mais du coup, j'ai rien, j'ai pas de carottes. Je me suis fait des copains. Tu te trouves un petit peu cavalier, toi, pour un cheval?